Alors, on a pu voir les réactions de Choupette tout à l'heure. Okay? Puis j'ai pu un peu voir aussi le setup que vous avez fait pour sa vie au quotidien. Alors, si je comprends bien, Choupette, elle vit à l'extérieur. Ses journées, elle les passe dehors. Elle est soit avec sa chaîne, elle a son enclos pour se réfugier du vent. Puis elle a sa niche pour aller plus au chaud. Alors, vous allez me corriger si je me trompe. Donc, la nuit, elle couche à l'intérieur. Oui. À toutes les nuits. S'il fait trop froid, vous la laissez rentrer dans votre petite cuisine. Oui. Parce qu'on a aussi des chats à gérer et beaucoup de choses de verre soufflé aussi quand même. Donc, on ne veut pas détruire la maison par une course intrépide de chats et de chiens. C'est arrivé. OK. Alors là, on a vu une fois où vous avez interagi. Okay, vous lui avez demandé, vous avez exigé qu'elle aille dans sa niche. Mm-hmm. Et l'autre fois, on l'a laissé exprimer ses comportements sans intervention. Fait qu'on peut voir que le moment où vous n'êtes pas là, c'est la désorganisation totale, c'est « Oh my God! » Il faut vraiment qu'il s'en aille, l'étranger, ça n'a pas de sens. Oui. OK. Donc, moi, ce que je peux constater là-dedans, c'est que un chien qui a la liberté d'exprimer des comportements au quotidien, va se builder, ou il va s'ancrer, plus je pourrais dire plutôt en français, il va s'ancrer dans un certain type de comportement. Je m'explique. Si quelqu'un passe ici au bout de votre entrée, parce que votre entrée est quand même... C'est assez long, avant qu'on arrive ici à la maison. Donc, elle voit l'auto, puis aussitôt qu'elle a vu l'auto, parce qu'on a comme malencontreusement passé un petit peu tout droit, donc elle a vu l'auto, elle s'est mise à japper. Oui. Mais là, quelle ne fut pas sa surprise, l'auto est revenue. Je m'explique. À toutes les fois qu'il y a une auto qui passe, elle jappe et cette auto-là disparaît. Toutes les fois qu'un humain passe, chaque fois cet humain-là disparaît. Très rares sont ceux qui vont s'aventurer jusqu'ici. Pas parce qu'elle n'est pas fine, vous n'êtes pas fin, mais c'est que, si je comprends bien, vous ne recevez pas souvent de la visite. Non, on n'a pas tellement de gens en campagne ici, c'est plutôt isolé. C'est ça. Donc, elle a compris, ça lui faisait peur, parce qu'elle voyait, c'est un exutoire émotif. OK? Donc, elle a appris que japper faisait en sorte que les gens ou les véhicules et ou / tout ce qu'on voudra disparaît. Toujours est-il que quand ça fonctionne pour elle, elle va s'ancrer dans ces comportements-là parce qu'il y a un renforcement qui est aléatoire. On s'entend jusque-là. Quand il y a un renforcement qui est aléatoire, il y a maintenant ces généralisations dans le comportement. Ça veut dire que ça risque d'être de même longtemps. Okay? Si on veut créer une modification de comportement, il va falloir changer un peu l'environnement pour pouvoir favoriser l'expression d'un autre comportement. C'est comme quand je travaille avec un chien qui est en famille d'accueil, qui est en rescue, souvent il y a des problématiques dans sa famille et juste en le sortant d'une autre famille, il va avoir des comportements qui vont être totalement autres. Pourquoi? Tout simplement parce que l'environnement alentour de lui ne sera pas le sollicitant de la même façon. C'est tout. Ou l'encadrement va être autre. Donc, maintenant, ce qui fait qu'elle devient extrêmement désorganisée, c'est qu'elle, elle se dit, « Hey, d'habitude, là, tu t'en vas. Puis là, tu t'en vas pas, tu t'en viens. » Bien, excusez mon langage, mais elle se dit, « Mon écœurant, moi, j'ai fait assez fort, m'a fait assez peur que tu vas t'en aller. » Sauf qu'elle a tellement peur qu'elle va en uriner et en déféquer par terre parce qu'elle est complètement désorganisée. Donc, c'est un signe de stress excessif. Mmh. Moi, ce qui me dit que ça la stresse, là, au coton. Quand, normalement, on va jusqu'à uriner puis déféquer parce qu'on est en désorganisé, c'est parce qu'on pense qu'on va mourir là. Fait qu'à toutes les fois, c'est cet état émotif-là dans lequel elle tombe. D'accord? Mm-hmm. Là, ce qu'il va falloir qu'on se demande, c'est comment on peut faire dans votre environnement pour faire en sorte qu'elle ne voit plus les voitures ou les gens passer lorsque vous n'êtes pas dehors avec elle. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi? Parce que je veux plus qu'elle ait la chance d'exprimer le comportement « j'aboie pour que tu t'en ailles mm-hmm. ». OK? Ce qui veut dire que on pourrait soit la laisser confinée dans son enclos, donc elle verrait pas les gens passer, de la façon que c'est fait, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais de la façon que c'est fait avec le chemin, moi, ce que je voyais, c'était que si elle était dans son enclos, elle voyait pas vraiment... Elle voit pas le chemin. Exact. Et donc, si vous n'êtes pas avec elle dehors, l'idéal serait qu'elle reste dans son enclos, qu'elle puisse avoir accès à sa niche, et puis qu'à l'intérieur de son enclos, il y a toujours des cornes farcies, des os agrugés, des choses avec lesquelles elle va pouvoir s'occuper durant la journée. Boule distributrice de nourriture, corne-moi bleu. Soyez créatifs, ça, je suis pas inquiète là-dessus, vous êtes très, très créative avec votre pitoune. Donc, c'est sûr que ça va demander un certain changement dans votre façon de faire avec elle, mais c'est certain qu'on va être capable d'arriver à quelque chose. OK?
Ce que ça vous prendrait aussi, ça serait des voisins qui voudraient bien collaborer. Est-ce que vous avez des gens pas loin? Je les connais tous, les voisins. OK. Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'amuser à prendre leur marche à heure fixe, dire moi, je vais prendre la marche à 6 heures, est-ce que tu peux sortir dehors avec ton chien? Comme ça, vous pourriez sortir dehors avec votre chien? C'est un peu difficile, ça. Ouais. Parce qu'on est juste trois permanents. Le reste, c'est des gens qui viennent pour les vacances avec des chalets. OK. C'est ça. Okay. C'est ça. Souvent, la semaine, il n'y a personne ici. OK. Puis sûr, vous m'aviez parlé de vos voisins quand on se parlait, chez qui vous avez été souper. Est-ce qu'ils habitent plus loin? Non, eux autres sont pas loin. Mais eux autres, c'est des amis. Et on fait déjà ça avec eux autres. Marcher avec eux autres, leur chien, notre chien. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je voudrais qu'eux passent et que vous soyez ici en bas. OK. Donc, eux passent, puis que vous soyez capable d'intervenir, puis je vais vous expliquer comment. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir quelqu'un qui collaborerait. Mais elle ne réagit pas. Quand elle passe en haut, elle ne réagit pas. Parce qu'elle les connaît? Parce qu'elle les connaît. OK. Il y a pas... Puis vous ne savez pas à quelle heure les gens passent? Y a-t-il des moments? Le juste vendredi? Le autre qui passe. Le vendredi, quand les gens viennent au chalet, j'imagine, ça doit passer. Il y a un voisin arrive en auto, il rentre dans son entrée en auto, là, à Jacques. Le temps qu'il descend de son auto, qu'il rentre dans son chalet, elle va jeter. OK. Un peu, ouais. Parce qu'elle voit. Parce qu'elle voit. Ou elle l'entend. Elle voit l'auto. Elle voit son auto, ça, c'est sûr. OK. Et est-ce que vous savez à quelle heure il revient? Jamais. C'est aléatoire. C'est aléatoire pour moi. OK. Ouais, mais à ce moment-là, c'est ça. Si on ne peut pas faire de pièces de théâtre, ça va être plus ardu. OK. Moi, ce que je ferais dans un premier temps, c'est modifier l'environnement. Soit mettre des panneaux pour être sûr qu'elle ne voit pas, je ne sais pas comment on peut setuper ça, des planches de bois, essayer de faire un contour à son enclos pour être sûr qu'elle ne voit pas nulle part. Okay? Okay. Pas parce que je ne veux pas qu'elle regarde le paysage, c'est juste parce que je veux qu'elle ait la chance d'exprimer le comportement, je la vois pour que tu disparaisses. Dans un autre ordre d'idée, quand vous savez que vous allez avoir de la visite qui va venir, normalement, c'est des gens qui savent que vous avez un chien. Puis, oui, on les avertit, mais une choupette, on la met soit dans son transporteur, dans l'auto. OK. Donc, comme pas l'énerver pour rien, là. Oui, c'est ça. Faut pas lui donner quand même trop de stress. OK. Mais moi, ce que je pourrais vous suggérer de faire, ça serait, quand les gens arrivent, préparez-y, nourrissez-la pas la veille. OK? Puis préparez-y un gros plat de nourriture en conserve mélangé avec des nananes. Vous avez du canisso, vous avez toutes sortes de choses. L'objectif, c'est pas faire de la promo de la nourriture, mais vous avez comme toutes sortes de croquettes qu'elle aime beaucoup, avec lesquelles elle est friande, puis vous allez faire un gros jackpot. Donc, à toutes les fois que vous allez recevoir votre visite, vous allez y offrir un jackpot. Pendant ce temps-là, le monde va rentrer dans la maison. Parce que les croquettes secs, elle les mangera pas. Elle les mangera pas. Elle les mangera pas. Les croquettes secs, elle veut rien savoir. Ça prend, imaginez, aboyer, OK, après les passants, comme ça, ça vaut $1 milliard. Puis vous y pitchez des croquettes secs. Vous y envoyez une coupe de 5 cents dans la terre. Je vais continuer à japper, il faut qu'il s'en aille, j'ai dit. Qu'elle se dit. Comprenez? Donc, là, ce que je veux, c'est créer un contre-conditionnement pour faire une association autre. Les gens qui arrivent me donnent $2 milliards. OK? Le fait que les gens arrivent, ça me donne $2 milliards. Il faut que ça vaille cher. Si ça ne vaut pas suffisamment cher, elle n'arrêtera jamais d'exprimer ces comportements-là. Ah, si j'y demande de se taire, elle n'a plus d'exutoire émotif. Puis si elle n'est plus capable de sortir ses émotions en aboyant, ça se peut qu'elle aille plus en mordant. Puis si on ne veut pas ça. Okay. Okay? Non, parce qu'elle n'a pas mordu à date. Ou qu'elle se court après la queue, ou qu'elle fasse des tocs, ou que... Peu importe. Les scénarios peuvent être multiples, mais moi, ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est comment on peut faire dans les six maintenant pour faire en sorte qu'elle n'ait plus la chance d'exprimer ce comportement-là d'aboyer. C'est un peu plus difficile à gérer. Moi, ce que je vous propose aussi, il va falloir que je prenne une coupe de notes parce que je vais tout oublier. Ce que je vous propose aussi, c'est quand vous partez en visite ailleurs, rentrez-la dans sa cage en derrière. Pour pas qu'elle ait la chance de s'égosiller comme on l'entend. Là, je sais qu'elle s'égosille puis j'ai aucune mémoire. Mais on la laisse jamais seule. On la laisse jamais seule. On l'a laissée une fois dans la cage à l'intérieur, à accrocher barreau. OK. Donc, elle n'aime pas être dans sa cage elle à l'intérieur. Elle n'aime pas être toute seule. Elle a comme par les pédales quand elle est toute seule. Là. Elle n'a plus de repères. Elle n'a pas de repères, c'est ça. OK. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut, qui peut faire partie du plan. C'est habitue-toi à ce que je parte.
Donc, laissez-la dans la cage, donnez-y un corn farci de bouffe en conserve, puis partez juste prendre une petite marge de rien, puis revenez dans la maison. Mm-hmm. Donc, l'habituer progressivement, mm-hmm. parce que moi, j'ai l'impression que la poupure est trop drastique. Mm-hmm. Tu sais, il y a aussi l'historique de cette chienne-là. Elle a été trouvée, elle était errante à 4 mois et demi. On ne sait pas ce qu'elle a eu dans la période de socialisation qui était terminée lorsque vous l'avez adoptée. C'est ça, exact. On ne sait pas ce qu'elle a vécu. En tout cas, elle était peureuse. Bon, ouais, parvovirus. Elle a eu parvo en plus. Donc, elle n'a pas eu un bon départ de vie. Ce qui fait que quand vous partez, le plancher, il part en dessous des pieds. Là. Donc, c'est pour ça qu'elle devient si désorganisée. Ouais. Fait que, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans l'environnement pour réduire le fait qu'elle voit les gens quand vous êtes... Ben, on peut ériger une façade. C'est ça, là, faire quelque chose de... On peut penser, là. Okay. Ça, c'est faisable, c'est ça. OK. Donc, pour pas qu'elle voit les autos ou les piétons sur notre rue. Exactement. Mais des fois, elle commence à japper, elle ne voit pas les gens. Elle les anticipe, elle les entend. Elle les entend. Elle les entend. Okay. Ben oui, mais si elle les voyait pas, puis juste les entendre, peut-être que sa réaction serait moins vive. Probablement. Ouais. Probablement. Mais une fois, ce que j'avais fait, elle était dans son transporteur, puis bon, là, j'appelle, là. OK. J'ai mis un drap par-dessus. Ça a tout arrêté. Et voilà. C'est ça. Il n'y a plus... C'est ça. Il n'y a plus les gens. Là. C'est ça. Fait que oui, ça se peut qu'elle va peut-être réagir un peu, ça les entend, mais ça va peut-être être moins pire. Disons que faut essayer avec ce qu'on a, parce qu'on peut pas, physiquement parlant, dans les lieux physiques, dire du jour au lendemain, il faut absolument qu'elle soit dans la maison si vous n'êtes pas dehors avec elle. C'est pas pareil, là. Fait que on est pogné un peu, disons qu'on est pris avec des contraintes physiques dans l'environnement. Okay? Mm-hmm. Donc, façade pour cacher la vue, un contre-conditionnement aux gens qui arrivent. Est-ce que vous avez de la nourriture en conserve, là? Non, c'est toutes des croquettes. Ça va m'arracher. Merde. Vous avez pas quelque chose de la gamoune, du pain de pinot? Oui, du pain de pinot, on en a, là. Oui, puis on a un roll-up. Un roll-over. OK, fait que moi, je pense que là, ce qu'on va faire, je veux juste voir si on va être capable de faire un petit quelque chose là maintenant. On va y faire un jackpot, OK? Roll-over, beurre de pinot mélangé avec des canisources, OK? Des croquettes, whatever, n'importe quoi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir à l'extérieur, puis vous allez offrir ce gros bol de gamoune-là pendant que je vais faire passer le caméraman. Comme ça, on va voir si elle est capable de manger ce gros bol de bouffe-là. Et il faut s'organiser qu'il disparaisse de sa vue avant qu'elle ait fini de manger. OK. OK? Puis après ça, on ira enlever le bol, là. On ne veut pas qu'elle ait une diarrhée. On va tout manger. On veut. Elle mange vite. Elle mange vite. Oui, mais je le sais, est quelque chose. Ça marche. Fait que je pense qu'on va y aller comme ça. Puis ça va nous permettre de voir jusqu'à où elle est capable d'aller. Parce que c'est important que je sache est-ce qu'elle est capable de manger quand ça vaut cher. Ou si malgré ça, elle démissionne. C'est la petite d'eau qu'on a manger. Choupette! C'est quoi ça, Choupette? Ouais, beau girl! Ouais, bonne fille, ma Choupette! Bonne fille! Regarde comment est-ce qu'on voit, comment elle a peur. Ah oui, elle tremble. Anna, t'es une bonne petite poule. Hey, c'est beau, ça, les nénans! Good girl! OK, vous pouvez rentrer. Bonne fille, elle est nénane! Ouais, bon chien! Bon, on a constaté qu'elle était vraiment apeurée, hein, elle en tremblait, puis elle allait même se cacher dans sa cage, dans sa niche, je veux dire. Mais j'ai constaté qu'avec notre fameuse swill, ou je ne sais pas comment l'appeler, notre concoction magique au beurre d'arachide, bouillon de poulet et toute autre chose que les chiens adorent, elle a été capable de manger, puis elle n'a pas jappé une fois. Fait que ça nous révèle qu'on est capable de travailler en contre-conditionnement. Donc, tout ce que je vous ai dit tantôt, on le réapplique. Si vous n'êtes pas là pour gérer le chien, l'idéal, ça serait une fois de temps en temps, de la faire rentrer dans sa cage en intérieur ou de la confiner dans la cuisine pour faire en sorte que le comportement aboyé soit de moins en moins apparent lorsque les gens passent. Quand vous recevez de la visite, sachez-le à l'avance, dans le meilleur des cas, ou tenez-vous une boîte en conserve qui s'ouvre rapidement. Alors, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, vous sortez avec votre gros casseau, moi j'appelle ça ma chaudière, et votre chaudière de bonheur en bouteille, et vous sortez, vous mettez ça dans l'enclos, vous vous renfermez dans l'enclos avec elle, deux éléments sécurisants. Vous êtes là, vous êtes son pilier. En plus, vous lui donnez la chaudière. Elle se relève la tête pour regarder, vous lui représentez, et restez heureuse.
Ne stressez pas. Parce que si vous devenez stressé, ce qui va arriver, c'est qu'elle va dire « Ah, il y a de la bouffe! Oh mon Dieu, la mère a l'air stressée! » Donc, elle ne sera pas capable de manger. Okay. OK? Oubliez jamais votre jolly routine. « Ouais, gars, ma pichounette d'amour! » Elle va dire « Oh, maman, merde! » Elle va manger ses nanas. Okay? OK? Donc, vous faites ça, vous laissez les gens rentrer. Quand vous partez, vous laissez une poignée de croquettes par terre, puis vous rentrez dans la maison. Okay. D'accord? Fait que de cette façon-là, on y est en train d'y envoyer comme message. Il pousse du bonheur dans ton enclos quand que les gens arrivent. Mm-hmm. T'as plus besoin de japper, parce qu'on a pu observer des tremblements, de l'excitation, de l'agitation, de la vocalisation, c'est toutes des signes. Puis elle a même déféqué. Ouais. Fait que, mais après coup, pas tout de suite. C'est après coup, ça a été un relâchement de ses viscères. OK? Donc, d'ici ce temps-là, laissez-y tout le temps des os à mâcher ou des choses vraiment de fun dans son enclos. Des jouets distributeurs de nourriture. S'organiser pour créer un enrichissement un peu dans son environnement. Puis, quand vous la rentrez dans la maison, ben faire le petit jeu de la cage, qu'elle soit là tranquille, ou il la laisse un petit peu dans la cuisine. Moi, je pense qu'on va faire ça pour un bon 2 semaines. En plus de cacher l'environnement, essayer d'ériger une espèce de mur ou s'organiser pour pas qu'elle voie les gens passer ou les automobiles. Okay. Puis, dans 2 semaines, on devrait avoir déjà une bonne modification de comportement parce que l'idéal serait que lorsque quelqu'un arrive, qu'elle est dans sa niche, excusez-moi, et qu'elle se taise.